Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer 3 avec Katox. Salut Katox! Salut! Et ça se passait plutôt bien pour moi et plutôt pas si bien pour toi, je crois, de mémoire. Bon, je viens de m'expliquer avec les nains, donc ça va. Ok, bon, du coup, ça va. L'explication bon, nanesque, ça reste... Oui, oui. Bon bah du coup nous, on va aller s'expliquer avec les hommes lézards, je pense. Krogar, je sais pas pourquoi il recrute plus d'armée et qu'est-ce qu'il fait, mais on va en profiter. Hop, go. Alors là je prends un risque calculé en me mettant en marche forcée parce qu'on a le temple des crânes qui a une quand même assez bonne autorité, donc on voit, on est à peu près sûr qu'il est pas planqué. Ça m'étonnerait qu'il soit depuis 10 tours planqué en embuscade à attendre. Et dès que nos armées seront passées, on va investir dans la ville. Ouais, d'ailleurs, on va même investir tout de suite. Ce serait quand même pas de bol qu'ils sortent de nulle part au prochain tour. Alors toi, la malédiction de la Nomor... On va donner résurrection, hein, quoique le canard... T'es un petit peu vénère que le contamine se soit fait buter. Alors Morgame, est-ce que Morgame un mur c'est légit, c'est complètement légit un mur à Morgame. On continue d'avancer avec eux, ouais très bien. Chocho, elle en est où? Elle est là. C'est pas tout de suite encore hein. Et du coup, est-ce que t'es bien utile de ce côté-là? C'est même pas sûr. On va changer d'avis. On va plutôt t'envoyer au nord, hein, parce qu'on va avoir du nain et du gobelin, et ils font beaucoup de ces deux héros. Hein. Hop. Chobiti la putride. Ici on peut faire un bâtiment, quoi d'autre? Ah bah tiens, un petit gibet, c'est très bien, c'est où cette ville? Ah ouais, c'est sur la frontière, mais... On fera un mur la prochaine fois, normalement elle est assez safe cette frontière. J'y crois pas que Arkham il pète un plomb et qu'il m'attaque. Lui il pourrait finir par m'attaquer, mais ça s'améliore les relations. Pourtant un paquet de trucs qui fait qu'il m'aime pas. Il a toujours l'armée de Slarish, donc il a toujours l'armée d'Orion ici qui doit être. Enfin Findol il s'appelle le seigneur. Il doit être un peu énervé. Quacksalt est pas hyper bien protégé. Nayund, ça va venir. Oui. Azlatan, qu'est-ce qu'on peut faire, Azlatan? Un puits de gemme. Bah ouais, faisons un puits de gemme. C'est parti pour le passage de tour. Ouais. Je vais encore me faire éclater. Oh bah quand même. Ouais, j'ai encore un héros qui doit se déplacer. Bon, Chobiti elle pourrait être utile sur ce flanc quand même, hein, parce que l'homme lézard il a quand même beaucoup de héros, mais il me fait pas trop peur en vrai. On va avoir beaucoup plus de potentiel ici à buter des trucs dans le coin, là, parce que c'est carrément l'enfer. Oh, il a pris une forêt magique le nain, quoi, carrément. Rien que ça. Le nain dans une forêt. Bah ouais. Elle appartient à des orques normalement, à des peaux vertes. Bon, on va commencer l'assaut par cette petite province, je pense, ça va être très bien. Ah, ici, c'est vrai que c'est des terres d'orques sauvages, donc il nous faut de la garnison. Krogar, il fait quoi? Il recrute encore des héros, ok. Fais-toi plaisir. Ouais, qu'il en a 5 visibles quoi. Et pas d'armée visible. 5 héros mais 0 armée. Stratégie intéressante. J'ai l'impression qu'il a pas beaucoup d'armée parce que même moi je suis beaucoup bien supérieur à lui en force armée. Ah ouais non il a rien, il avait une demi-armée de Krogar et il s'est replié en faisant rien alors que il y avait des villes à prendre qui avaient que dalle pour défendre quoi. Et il a rien recruté on dirait depuis. Donc je sais pas trop ce qu'il fout. Je sais pas s'il a suffisamment pris de fessé que maintenant il est un peu en mode défensif. Mais...
5 de population là. C'est cool ça. Bon, le clan Morse, est-ce qu'il s'en tire là? Ah non. Il a tenté visiblement la bataille, mais ça s'est pas bien passé. Bon bah il a perdu Karako Vipik, le clan Morse, ça fait mal aux fesses pour lui. Sartosa résiste envers et contre tout, au milieu des terres du chaos. Il va tenter un assaut là-dessus. Ouais, c'est risqué quand même. Hein. Ah, ici, est-ce qu'on commence à avoir des armées? Toujours pas. Hein. 2700 morts dans cette bataille, ça va, ça reste légit. Il y a eu beaucoup de morts à Karako Vipik là. Toujours. Cette bataille-là n'était pas assez grosse. Bon, il a plus rien là. Il lui reste une armée ici, une armée là. Mais ah, oh, il a invoqué une wag. La lune crochue a balancé une wag. Ah, oh, il a tellement se faire défoncer. Ah. Ah, la petite peste Skaven pourrait aider, mais je suis pas sûr que ça suffise. Hein. L'attrition, même si... Enfin, il y a quand même deux armées, quoi. Oh la vache, il y a eu une bataille au Rocher Noir, tour 20, avec 4700 pertes. Tour 20, quoi. Ça picote, ça. Ah ouais, je sais pas ce qu'il y avait là au tour 20, mais ça a dû être carrément violent, quoi. Ah, Daedino est prêt. On va voir si on a besoin de lui. Ah, contre-attaque de la flotte de la terreur. Attention. Ok, à notre tour de contre-attaquer. Alors, visiblement c'est quand même assez vide. J'ai envie d'envoyer Gael'dead. Ça c'est une ville capitale. Non, il n'y a aucune ville capitale. J'ai envie d'envoyer Gael'dead par là. On va voir un peu ce qu'il y a. Ok, Krokgar ici. En recrutement. Ah mais il a rien recruté quoi. Il est zéro son armée. Enfin, c'est de l'unité de qualité, mais c'est pas ça qui va nous faire mal quoi. Bon, du coup, il va falloir qu'on y aille à deux quand même. Par sécurité. Il me manque 2 mm pour faire le mouvement quoi. Ah, oh, c'est chiant quand ça passe. Quel enfer. J'adore le... Le chemin vers le territoire de Krokgar est pavé de grandes batailles quoi. Une grande bataille du temple des crânes quand même. 6700 pertes. On l'avait tellement défoncé. Tour 37. Ah quand même, ouais. Alors normalement on peut investir là. Voilà. Ici on va vouloir. Ça c'est construit. On va vouloir un truc comme ça. Et des vampires ou des banshees. Ah, y a tatage là, y a tatage. Plutôt ça. Bon, y a pas des petits trucs. Ouais, ça on peut le virer. Hein, c'est de la merde. On va remplacer par un vrai bâtiment. Ça on peut le garder. Pff, ça en vrai, franchement, c'est nul. On peut le virer aussi. Allez voilà, on va remplacer par du bâtiment de qualité. Ici, on a un peu de thunes pour 900 balles, on prend. Alors est-ce qu'on peut pas recruter... Non, un roi revenant, on en a fait un bâtiment, il doit être terminé, c'était ici je crois. Ouais mais ça te donne pas plus de... Donc il faut vraiment faire le bâtiment qui dit... héros recrutable plus 1 quoi. Bah écoute, héros recrutable plus 1, c'est parti. Prends ça, les marais du destin c'était laquelle? C'était ça, donc ouais, bon, c'est une frontière, mais quand même assez bien protégée. On va faire des sous. Tu peux te déplacer plus, toi? Bah, pourquoi t'es pas déplacé jusqu'au bout? Bizarre. Là, on pourrait avoir un assaut, mais s'il nous attaque avec ça, même avec les 2-3 unités de plus, hein, franchement, Gael'dead, il va faire le taf. Hein. Il va clairement faire le taf. Bon, il y a des petites merdes là qu'il faudrait qu'on vire, mais...
Dans ce coin, il n'y a pas de quoi faire. Oh, il y a carrément de quoi faire. On virera peut-être les petites merdes au prochain tour. On verra. Où je vais? C'est ici que je veux aller vous déplacer toujours. En fait, toi, tu vas plutôt aller à Chocho City. Et le comte Nostradinus, il va aller à Morglaim. Bon, dans tous les cas, il va nous falloir encore 3-4 tours de plus, malheureusement. Et Chobiti, ma chère Chobiti, tu vas aller de ce côté-là. Oh, mais toi, par contre, tu vas y être vite. Deux tours t'y es, quoi. Parfait. Ah non, absolument pas. C'est la couleur qui m'a trompé. Ouais, ça me paraissait bizarre aussi. Ok, c'est bon pour moi. Parce que Chobiti, ça fait trop longtemps qu'elle a tué personne, on n'a pas de baiser de sang là. C'est chiant. Alors, les ultimes défenseurs, est-ce qu'ils tentent une attaque? Krogar, non. Ah, il a attaqué les unités et il a réussi. Il refait une attaque à les unités, il re-réussit. Il a essayé d'assassiner Quoique le Canard, il a échoué. C'est rare de voir l'IA utiliser les héros, ça fait plaisir. Oui, après, faut pas qu'elle tombe dans l'extrême de je ne sais plus quel opus où en gros, il t'a... je crois que c'était Rome Total War, où il t'entourait ta ville de genre 10 héros et il tentait 14 assassinats par tour. Ouais, bah après, enfin. C'est con, mais s'il a la thune et tout, ça reste légit, quoi. Là, il a fait deux attaquer les unités sur la même armée qui sont passées, bah écoute, tant mieux pour lui. Après, il transforme pas en attaquant, mais. Ouf. Il a recruté des. C'est quoi ça? Des Steganons, un truc du genre. Il a recruté. Il n'en avait pas avant, il en a recruté trois bêtes monstrueuses en un tour, le petit salaud. C'est sûr que ça peut changer la donne sur l'assaut de la ville, hein? On va pas se mentir, ça peut jouer. S'il recrute pas de nouveau, on va peut-être faire tomber cette ville-là. Ça lui biquera quand même 700 balles de revenus. Ça peut aider. Alors le clan Skir, on va juste vérifier qu'il se pointe pas par chez nous. Non, ça va. Il a renvoyé Sartosa dans les cordes, truc de violent quoi. Les durs à cuire de Grimgor, ils ont l'air d'avoir un petit peu pris face probablement à ces Skaven qui connaît pas mais qui s'énerve là. Le clan Morse il fait de moins en moins tampon. Je pense qu'il avait pu pousser jusque-là, quoi. Compliqué pour le Skaven, là. Face à la WAG en plus. Une WAG, ça cible forcément une capitale, hein, dans cet opus-là aussi. Hein. Ouais, c'est parce que tu mets une cible de WAG, je crois. Ouais, c'est ça. Donc il a dû probablement cibler la capitale du Nain, du Skaven. Là où, remarque, oui, ça peut être la capitale du Nain, mais ça me paraît un peu plus loin quand même. Encore que. Il s'est pas mal fait défoncer, hein, notre ami là. Il y a les elfes sylvains qui sont jusque là. Où est sa capitale à lui? Je le vois pas. Je dois pas la voir la cité. Ça commence à partir en sucette dans le monde, hein, comme on dit. On va arriver au... Ah, la WAG de Grimgor a échoué. Bah du coup pendant que j'y pense tout de suite. Et vous voulez pas un petit pacte Grimgor? Bon, toujours pas. Tour 100 normalement, on devrait commencer à avoir une chance de voir apparaître les scénarios de fin de tour. Hein. On est tour 95. Donc ça va arriver tranquillement. Ici on est bientôt en position. Là on prend de l'attrition. Ouais. On verra le moment venu, ça sera peut-être plus là. On peut améliorer Chocho City. Chocho City, c'est quoi ce bâtiment qu'on peut faire? Les héritiers de Mourkane rend recrutement plus sain. Comme ça.
Ok. Ah, puissance des armes, plus 8% pour les zombies et résistance au sort. 3 gouttes de décrypte et une aura de décrypte en garnison. Ouais, c'est pas mal ce bâtiment. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais avant, on va quand même aller travailler sur la capitale. Faire des cryptes vampires et une bibliothèque interdite. Ça rapporte des sous, les bibliothèques interdites. 50, ouais, c'est pas ouf. Mais le taux de recharge plus 4% là, il fait plaisir quand même. Allez, maintenant qu'on a amélioré la capitale, on peut améliorer Chocho City. Je sens Chocho derrière qui est. Ma ville. Alors ici, on pourrait lancer un assaut éventuellement si on voulait. Avec des renforts, qu'est-ce qu'il y a techniquement? Une garnison meurt de merde, négligeable. Et là c'est quoi? C'est des stégadons ancestrales. Il a recruté 3 stégadons ancestrales, le petit salaud. Mais en vrai c'est quand même de la merde son armée. Hop, c'est parti. Gael Dead, tu les encercles. Tu pourrais même gagner tout seul, en perdant des troupes quand même. Tu les encercles. Et Manfred, il soutient son petit piou-piou. Victoire de justesse. Ah, on passe de victoire la Pyrrhus en victoire de justesse. Bon, écoute. C'est une victoire quand même, hein, comme on dit. 2000 balles de pillage. Ouais. Très bien. A vaincu Krogar. Défense en mêlée plus 10, pas mal. Mal ça. Ravageur de reptiliens. Ce titre. Oh la vache. Et un dragon zombie pour Gael Dead. Et une vieille peau pour Astokill. Et une vieille peau également pour Quack le canard. Ça c'est beau. Alors j'ai vu qu'on a eu un étendard en os de liche. T'en as déjà un toi. Qui c'est qui pourrait prendre ça? Pas grand monde. On peut pas mettre les étendards sur les. Ouais, on peut pas mettre les étendards. Alors qu'est-ce qu'on pourrait remplacer? Tiens ça. L'étendard de discipline, c'est nul. Bah parfait, c'est celui que je voulais remplacer. Non, c'est pas celui que je voulais remplacer. Qu'est-ce que t'as enlevé? Ah non, mais t'en as déjà un, toi, un étendard. C'est peut-être pour ça que ça a rien fait. Fossoyeur, on garde, sans garde. La bannière épouvantail, ouais. La vieille peau, donc la vieille peau, on enlève. Étendard en os de liche. Parce que recrutement de banshee moins cher dans la province locale, c'est quand même un peu circonstanciel, hein. Prémonition inquiétante. Ouh, c'est bon ça, moins 8% d'entretien, 5% de portée de déplacement de campagne. Ouais, on prend ça. Carrément. Et toi, t'as tellement de niveau à cette équipe qu'on sait plus quoi te donner. On va te donner du commandement. Quack le canard. Ah, il y a un reconstitué. Reconstituer les troupes pour Quack le canard. Résurrection. Alors, désolé, j'ai plein de niveaux à prendre, hein, du coup, là. On booste ça. Ah bah on peut encore, donc on booste absolument pas ça. Ça et ça, pardon. Ici on est à fond. Poids des âges, ouais. Vent de mort. On va prendre le vent de mort, il est quand même puissant le vent de mort. Hein. Ok. Très bien. Donc Manfred. Va pouvoir tomber sur cette ville au prochain tour. Si on va réparer, est-ce qu'on veut du recrutement ici? Est-ce qu'on veut des murs, bouffe? On veut récolter des herbes. C'est bon ça, les herbes. Des herbes. Des herbes à fumer, exactement. Des herbes médicinales, techniquement. On a que moins 7 ici alors qu'on a moins 32 conquêtes et moins 10 d'instabilité provinciale pour vivre ce truc. Ce bâtiment, et franchement il est nul quoi. À la nuit tombée, près des cours d'eau souillés par le sang, le moulin se met à tourner, mélangeant grains et os broyés. Ça c'est beau. C'est très dark quoi. C'est la description du pâturage quoi.
C'est ça, c'est que c'est calmez-vous les gars, vous faites de la farine. C'est ça. On se détend, on se détend. C'est les vampires sont pas capables de faire la farine sans taper trois cadavres dedans. Excusez-nous, c'est Roger. Il a trébuché C'est ça. encore. Ça sert à rien. Le pauvre Roger, il a pris encore plus cher que Kenny, quoi. Tu les envoies chercher un café, 14 cadavres quoi. Ça donne du goût, hein, écoute. Un petit peu de chair faisandée dans le café à la Mais place du sucre. tout à fait. Ici, faut qu'on garde de la thune pour investir à Khemri le prochain tour, parce que. Clairement, c'est intéressant. Tour noir d'Arkham. C'est pas vraiment la frontière, mais ça serait légitime quand même d'avoir une garnison dedans, je pense. De toute façon, on peut faire quoi d'autre? Ah, on pourrait commencer à travailler là-dessus. On pourrait faire un truc comme ça. Ok, on essaiera d'investir dans cette zone-là au prochain tour, si je m'en souviens. Et du coup, on passe le tour. Ah, d'abord, il y a les héros qui bougent. Shobiti. Shobiti qui se déplace. Gracieusement, exactement. Shobiti se déplace gracieusement, tout à fait. Faction rencontrer les convoyeurs de biens exotiques. Alors, ça fait un peu caravane de Katé, mais en vrai, c'est une faction transfuge. Donc... Alors là, il y a recrutement, mais on va le défoncer, pas trop de problème. Qu'est-ce qu'il fait, lui, du coup? Il a plus rien, lui. Il a échoué encore, ils essayent d'assassiner quoi que le canard, hein. Franchement, après avoir tué Aminou, s'ils arrivent à tuer quoi que le canard, ça serait quand même la tristesse. Hein. Ah, le culte de Sautek, qui te lâche pas. Ah non, on va encore jouer au chat à la souris pendant longtemps, à mon avis. Faut les laminer ces gens, faut les laminer. Je te dis, tu joues au chat et à la souris, à la limite tu t'en fous, tu rases leur ville. Ouais, mais sauf que là ils rasent mes villes. Ouais, mais toi t'as pas besoin de tes villes pour recruter. J'ai quand même besoin d'un peu de villes pour continuer à faire tourner mes armées, moi. Ouais, certes. Certes. Mais on n'est pas tous pétés de thunes comme toi. Je te l'accorde. Mais c'est vrai que dans cette partie, j'ai utilisé une stratégie que j'utilise rarement en général. Hein. Vraiment, tourner sur les terres de l'ennemi en rasant ses villes. Tu veux la faire? Bon. En soi, je vois pas pourquoi c'est des défaites décisives. C'est vrai que ça se prend. Je vais venir de ton côté juste pour la regarder. C'est vrai que ça se prend. Bon, j'avoue, ça va encore être une victoire par le héros, mais bon. Ah, il est niveau 1. Ouais, c'est vrai que ouais, ça pique. C'est une ville en face? Enfin, toi, t'as une ville? Non, mais j'ai la bonne map. Ah ouais, ah bah ouais. Ah ouais, ouais, carrément. Rodeur, c'est la bonne map. La bonne map. Oui, effectivement, cette map, ouais. Ah, du coup, percer un peu l'armure du héros avec les tirs et ça peut passer. Hein. Bon, c'est ça. Il y a zéro tireur à part son caméléon. Même pas, c'est un infanterie de choc, c'est même pas un tireur. Infanterie de choc, les caméléons, what the fuck. Oui, je... voilà. Hop. Bon. La dernière fois, on avait déjà observé une belle bataille sur cette map, on va en faire une autre, du coup. Bon, par contre, je pense que tes artilleurs, mais il est vraiment à fond en ligne pour maximiser les tirs, non? C'est un peu trop pack, là. Je vais essayer de prendre. En fait, je suis soumis à un dilemme parce que j'aimerais bien utiliser l'effet aquatique sur mes unités quand même. Mais si tu fais ça, c'est les autres qui seront pas dans l'eau. Mais ouais, c'est ça. C'est légitime parce que du coup, ils sont un petit peu en contrebas, donc t'auras des meilleurs tirs avec tes tireurs. Donc bah oui. Ça se tient. Tu m'en as pas donné des unités, hein, j'ai caché le menu. Ouais, non, c'est bon. Oh non. Bon, pour 4 unités,
Oui, non, mais je me doutais, mais dans le doute. Ah, dommage, tu les bouges tard là, tu vas perdre des tirs. Ouais, je sais. Allez, rôdeurs caméléon. Ah ouais, ils ont quelques javelots, mais c'est de l'infanterie de choc. Tu t'es mis en vitesse rapide là, non? Ouais, ouais. Bon. Ah ouais, c'est dommage. Hein. Ça peut faire perdre la bataille, ça. Bon, cela dit, t'as quand même une belle position de tir dessus. Et tiens, il résiste quand même. Le moral, ça devient compliqué. C'est le moral qui va faire chier, quoi. Ouais, c'est les quelques salves perdues pendant qu'ils s'approchaient, je pense que ça risque d'être. Ah, je pense même pas, comme c'est des unités, je veux dire. Ils n'ont pas foncièrement de. Ah, allez. Ils sont pas perce armure, ouais, tes mecs. Je pensais qu'ils avaient une perce armure. Ouais, non. Ah, ouais, non. Quoi, effectivement. Ah, t'aurais peut-être pu mettre 2-3 salves sur les rôdeurs caméléons qui les auraient un peu calmés, mais. Ouais, ouais, puis encore, ils ont 60 d'armure, les cons. Hein. 40 d'armure. Ouais, ils sont coriaces quand même. Hein. Ouais, bah après, c'est l'élite des skinks. Hein. Ouais, c'est ça. Ils ont le sang-froid, ouais, la ligne s'effondre. Tu leur as fait mal quand même, hein. Ouais. Puis alors, ils sont tellement en train de. Ouais, tu vois, c'était rentable parce qu'ils ont quand même bien galéré à avancer dans l'aquatique. Tu as bien eu le temps de leur tirer dessus. Ouais, dommage. T'aurais eu un petit peu plus costaud pour tenir. Clairement, c'est les tirs qu'on fait les dégâts. Hein. Vous perdez du terrain. Merci, jeu. Les rôdeurs caméléons. Ouais, il y a peut-être moyen, mais. Non. Ils font mal quand même, hein. Ils sont efficaces, c'est con. Ah, il y a quand même une unité de Saurus en déroute. Défaite valeureuse. Transformer ça en défaite valeureuse. De toute façon, cette ville ne servait à rien. Ouais, et puis au pire, tu lui fais mal. Je sais pas si tu peux contre-attaquer derrière, mais. Non, j'ai pas d'armée dans le coin. Non, je suis en train de jouer au chat à la souris avec les autres en dessous. Là. Après, il va peut-être pas prendre la ville. Hein. Ça m'étonnerait, vu qu'il est en train de se faire ramasser partout. Mais bon, la ville, elle vaut rien, vu que je l'ai quasiment entièrement rasée. Donc... C'est ça la stratégie des morts-vivants. Tu rases tout, fais un max de morts, tu les relèves. En ce temps-là, l'autre il peut plus recruter parce que tu as pris tous ces bâtiments un peu évolués. Ouais. Par contre, je me laisse pas en plein milieu de nulle part. Ah putain, puis il m'a tourné la caméra. Ah, c'est ennuyant, je sais pas pourquoi. Ouais, il m'a complètement tourné la caméra à fond. Voilà. Oh, le clan Skir, il vient de plus en plus fort là. Ça me plaît pas trop. Il quitte la griffe, il est rendu là. Ok, d'accord. Il commence à vouloir m'attaquer. Intéressant. D'accord, je vois. Alors peut-être changer la direction de pustule premier. Hein. Il y a des fessées à mettre, semblerait-il. Ici, il n'y a pas de mur, mais normalement, il y a une garnison pas si dégueu. Ouais, 14. Ouais, ça va être compliqué quand même. Hein. Je crois qu'il y a une garnison aussi. Putain, Sartosa, quoi. Pff, tu chies dans la colle. Oh, mais tu t'es refait défoncer, tu es sérieux. T'arrives même pas à faire tomber une ville, quoi. Une ruine. Et pendant ce temps-là, il y a une horde sur ton territoire, là, qui est quasiment rentrée dans la ville. J'ai bien fait de pas m'allier avec eux, tiens. Après, si le clan Angroon pouvait se tenter peut-être une contre-attaque, ça pourrait être pas mal. Je vais aller voir si je peux pas... peut-être tenter un petit peu de diplomatie avec eux. Oh, ils sont classe les navires nains, par contre. Espèce de cuirassé à vapeur là, ça a de la gueule.
Ouais, va falloir faire un petit tour de la diplomatie. On pourrait aussi relever une armée. Hein. Il va peut-être être temps que Daedino revienne à lui. Votre allié est attaqué. Bah ouais, écoute. Vas-y. Hein. J'étais couru d'avance qu'il allait finir par lancer l'assaut. T'es un peu con, Sartosa, quoi. Bah ouais. Il a tellement se faire défoncer. Même pas, le mec, l'homme bête, il est parti je sais pas où. Ok, très bien. Tu vois Sartosa, toi? Tu commerces avec lui, je crois, non? Sartosa, je le vois. Mais je l'ai pas dans mon... Dans ma zone... Enfin, tu vois, je l'ai pas dans mon... Ah, dans ma diplomatie. Ok. Oh, il est tellement dans le mal. Ça fait... Ça fait presque mal pour lui. Alors du coup ici, ouais, on a un mur. Alors c'est une pile de cadavres. C'est pas non plus officieux, mais on a quand même une garnison. Et lui, est-ce qu'on voit ce qu'il fait? Il a un technomage. Ok. Bon bah écoute, on va se réorienter vers Iquitain. C'est tout près de façon. Hop, puisses-tu le premier. C'est parti. Trace ta route. Je pense qu'il va pouvoir gérer tout seul assez facilement. Et du coup, on va envoyer Nostradinus du côté de Shosho City. Et là, s'il voit mon armée approcher, il peut choisir de faire demi-tour. Hein. Ah, ça y est, on voit ce qu'il a. Alors, qu'est-ce qu'il a? Ouh, il a quand même de la vermine de choc. Un petit esclave, trois lance-feu malflamme. Ah, il est quand même énervé, hein. C'est quand même l'armée d'élite d'Ikit la Griffe, quoi. Ok, très bien. On va voir ce qu'il fait. On va voir ce qu'il fait. Du coup, on va renforcer Shosho City. Non, on avait dit, on a du bâtiment à construire ici. Voilà. Je voudrais... Un puits à esprit, j'aimerais bien ici. Et une bibliothèque interdite. Non. Une ancienne armurerie. Et il y avait aussi un autre endroit. Il y avait la tour noire d'Arkham, on pouvait faire quelque chose. Champ de bataille ranimé. Oh, non, pff, nul ça. C'est tout naze. On a déjà ça et ça. Faire un petit puits à esprit pour pouvoir éventuellement invoquer des banshees ici. Ce sera très bien. Il y a Al-Aïk. Al-Aïk, on peut améliorer Firus. Ouais, mais ça coûte une blinde. On n'a pas toute la cité. Non. On va aller du côté de Shosho City. Vu qu'il commence à s'énerver, il quitte. Il va être temps de renforcer l'arrière-pays. Ok, de ce côté-là, c'est bon. Du côté de l'ami Manfred. On va se préparer à un assaut ici. Et là, on peut lancer... Mais ça, c'est une ville majeure. Ouais, c'est une ville majeure. Relativement bien pourvue, mais sans garnison. Ah, mais il a un avant-poste, il y a des elfes, quoi. T'es allié à Orbéron, toi, une corée du genre ? Ah ouais. Ouh, allié défensif. C'est pour ça qu'il me déteste. Hein. Bah écoute. Alors est-ce qu'on peut voir ce qu'on peut avoir? Ouais, non, rien m'intéresse. J'aurais dû relever des morts en passant par là, mais c'est pas grave. On va y aller avec nos lanciers squelettes, après tout ils sont expérimentés. Ça compte comme une défaite valeureuse. Ouais, c'est vrai que les garnisons elles se vaut quand même. Hein. C'est pas grave, on va commencer à faire...
des machines de siège. S'il veut sortir, je pense qu'on peut gagner. Sur le champ de bataille, on peut gagner. Ok. Eh ben écoute, on va arrêter l'épisode là, parce qu'il est assez long. Si t'as fait à peu près tout ce que tu voulais faire. Oui, oui. J'espère du coup qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, des petits noms, hein, toujours. Il reste toujours des gens à nommer, puis on va en recruter massivement, parce qu'on a lancé quand même pas mal de constructions de bâtiments pour ça. Donc laissez des petits messages si ça vous dit, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Salut.